Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de nous rejoindre pour ce quatrième volet de notre semaine andalouse dans ce cycle de mini-conférences Verdier Voyage animées par Alexis Sédou, historien. D'emblée, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous les signes très sympathiques que vous nous adressez en cours de conférence, dans les commentaires que vous laissez en différé. Je vous invite toujours à liker notre page, à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines conférences. Je remercie évidemment nos amis de l'Office de tourisme d'Andalousie qui sont nos partenaires et nos complices tout au long de cette semaine. Et je vous invite également à découvrir nos voyages en Andalousie sur notre site internet. L'Andalousie, nous l'abordons par bien des biais. Lundi et mardi, c'était par le biais de monuments. Hier, c'était par le biais de l'économie, du commerce, de la découverte et l'exploitation des Amériques espagnoles. Aujourd'hui, nous célébrons l'Andalousie par le biais de l'art. Séville, notamment, est un des foyers artistiques des Espagnes à l'époque moderne. Le musée des beaux-arts de Séville en témoigne abondamment. La conférence d'aujourd'hui, animée par Alexis Sédou, sera notamment tournée vers trois illustrations les plus connues, mais pas uniquement, mais trois illustrations célébrissimes de l'art espagnol, Zurbarán, Murillo, Velázquez. Je me permets, avant l'intervention d'Alexis, une rapide introduction. Un préalable donc à la présentation de cet âge d'or artistique espagnol. Disons qu'au XVIe siècle, il n'y a pas dans les Espagnes reconquises par les rois catholiques, à proprement parler, pour faire très simple, voire simpliste, il n'y a pas d'élan artistique majeur qu'on pourrait, de près ou de loin, associer à un grand courant comme la Renaissance italienne. Pourquoi n'y a-t-il pas ce grand élan? Premièrement, parce que les rois catholiques, et je penserai notamment à Philippe II, continuent, comme leurs ancêtres ducs de Bourgogne, à collectionner les maîtres flamands ou les maîtres des écoles rhénanes, en partie aussi parce qu'ils font appel à des artistes italiens, c'est-à-dire comme bien des princes de l'Europe chrétienne qui sont fascinés par le prestige des écoles italiennes. En partie aussi, pas seulement pour cette raison, mais en partie encore, parce que le fait que l'Église, premier commanditaire ou principal commanditaire des artistes, des peintres qui ne sont considérés comme des artisans le plus souvent, c'est les Églises d'Espagne entretiennent dans la première partie du XVIe siècle une espèce de routine. Une routine où on reproduit des modèles et la création n'est pas à son zénith. Dans la deuxième partie du XVIe siècle, il y a tout d'abord un phénomène, vraiment au sens grec du mot, une apparition artistique sous le ciel des Espagnes, c'est le Gréco, un crétois. Je ne m'étends pas sur le sujet, je ne vais pas déflorer non plus la conférence d'Alexis. Et il y a également un phénomène religieux qui va être déterminant, un des moteurs de la création artistique au siècle d'or. Cet événement religieux plus que phénomène, c'est le Concile de Trente. Pour faire très simple, qu'est-ce que c'est que ce Concile de Trente? C'est un concile qui a rassemblé tous les évêques de la chrétienté et l'Église a été invitée à se repenser, à repenser la théologie, la doctrine, la pastorale, la spiritualité. Et somme toute, quels sont les moteurs des réformes, ces réformes étant censées répondre à la réforme protestante et en même temps alimenter vraiment la vie de l'Église? Quels sont les moteurs? C'est les fidèles vont être amenés à développer leur dévotion envers l'Eucharistie, en d'autres termes, le corps et le sang du Christ consacrés sur l'autel et présents dans les églises au tabernacle, et à développer leur vie intérieure, non pas seulement une prière routinière, mais une vraie vie spirituelle, une vie, puisque la problématique à laquelle ils sont confrontés, c'est la problématique de la vie éternelle et du salut. Pour y parvenir, il faut trouver une voie, donc une vie intérieure. La voie vers le salut, elle sera donnée par la foi, mais également par les œuvres. Et il faut donc la nourrir. La peinture, dans ce contexte, va être perçue par les canons du Concile de Trente comme une invitation à la prière. Les
dans cet esprit, les églises font peau neuve, renouvellent leur décor, alimentent le marché de l'art et passent un nombre de commandes à des peintres. Et parmi ces peintres, notamment, donc Zurbarán, Murillo et Velázquez vont démarrer leur carrière à Séville, ou vont vivre toute leur carrière à Séville. Carrière au service de l'Église, carrière au service de la couronne, pour le plus chanceux d'entre eux, et vont donc être parmi les plus belles illustrations de ce siècle d'or. J'ai été, je le crains, un petit peu bavard. Alexis Sédou, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis ravi de reprendre cette série de conférences et effectivement de parler de la peinture. Cette introduction était tout à fait nécessaire et tout à fait importante, car en effet, la peinture espagnole va naître de ce courant double, de la richesse de l'Espagne que nous avons évoquée hier, et notamment dans l'Andalousie, mais également de ce courant lié à la contre-réforme catholique, hein, au Concile de Trente, hein, et qui prend le nom générique de baroque dans la peinture. Hein, une peinture riche, une peinture forte, une peinture qui va exalter la foi, mais vous allez le voir, pas uniquement. Alors, l'introduction de Martin a permis de parler effectivement du début de la peinture en Espagne. Et en effet, au XVIe siècle, cette peinture semble relativement figée. On a des modèles que l'on importe, on a des peintres que l'on fait venir, d'Italie essentiellement, mais également des Flandres. Et comme vous l'avez vu hier, à partir des années du tout début du XVIe siècle, eh bien, les Flandres sont espagnoles sous Philippe Ier dit le Beau, et donc l'influence est forte. C'est effectivement en deuxième moitié du XVIe siècle qu'il va y avoir un essor, une commande plus importante. Cet essor est lié essentiellement à Philippe II, le fils de Charles Quint, qui est un grand amateur d'art, d'une part. Hein. Il va notamment commander beaucoup de tableaux à des peintres connus, notamment Titien, j'y reviens dans deux minutes, mais il va également acheter beaucoup d'œuvres, notamment dans les Flandres. C'est lui qui va développer, par exemple, la collection Jérôme Bosch que l'on connaît en Espagne, en achetant un très grand nombre de peintures. Philippe II est un souverain qui veut exalter la foi, hein, il veut lutter très largement contre la réforme, donc il se fait un des champions, justement, de la contre-réforme catholique, mais il veut également peupler ses nouveaux palais et les endroits où il vit de cette peinture. Et donc, Philippe II va commander des portraits au Titien, comme ici vous l'avez en vue, hein, Titien qui était également le portraitiste de son père, Charles Quint, et il va donc faire une grande demande dans cette peinture. Cette demande, il va l'exposer dans toute l'Europe et va demander à des peintres de venir peindre des tableaux pour lui. Parmi ces peintres, eh bien effectivement, Le Greco, hein, alors c'est son nom sous lequel il est connu, hein, il s'appelle Theotokopoulos, il est effectivement né en Crète, à Candie, c'est la Canée aujourd'hui, en 1541. Il fait sa carrière dans un premier temps, un tout petit peu en Crète, mais en Italie, à Venise, où il apprend la technique de la peinture vénitienne, hein, et le maniérisme, puis à Rome, et c'est à Rome que, vers 1578, il est approché par l'ambassadeur espagnol, qui lui dit, eh bien écoutez, mon maître Philippe II voudrait des peintures pour l'Escorial, pour son nouveau palais, votre style lui plaît énormément, venez en Espagne. Le Greco va donc venir en Espagne et il va avoir une influence considérable parce que non seulement il va recevoir des commandes de Philippe II, commandes qui n'auront pas beaucoup de succès parce que le Greco finalement ne plaît pas à Philippe II, mais il s'installe à Tolède, donc au nord de l'Andalousie, et là va produire un très grand nombre de peintures pour la noblesse tolédane qui va à son tour s'approprier l'idée d'avoir des peintures chez soi pour décorer et pour s'exalter. La peinture, sans doute la plus célèbre du Greco, c'est cette fresque que vous voyez ici, l'enterrement du comte d'Orgaz, l'entierro del conte d'Orgaz, qui est parfaitement une image de cette peinture de la fin du XVIe siècle, qui marque le début de la peinture espagnole. Alors, le Greco est une espèce de pont entre la peinture italienne maniériste et le début de la peinture baroque espagnole, pont qui est repris essentiellement à Séville, mais également à Naples, qui est une possession espagnole aragonaise à l'époque.
il y a là un personnage qui joue important, José de Ribera, vous corrigerez, pardon, mon P à la place du O dans la petite notice, hein, qui joue un rôle essentiel. Ribera est espagnol, il s'installe à Naples, il va faire quasiment toute sa carrière à Naples, et il va développer le style spécifique de la première peinture espagnole qu'on appelle le ténébrisme. C'est un petit peu l'inverse du caravagisme qui met en lumière ce que l'on veut voir. Dans le ténébrisme, c'est un peu l'inverse. On va assombrir les parties qu'on ne veut pas voir. Et chez Ribera, on l'a dans cette toile du reniement de Saint-Pierre, eh bien, seuls les visages apparaissent colorés, le reste reste dans l'ombre assez profonde. Et cette technique va être utilisée par la plupart des peintres espagnols du début du XVIIe siècle. Ces peintres espagnols, ils vont être guidés en grande partie par Francisco Pacheco. Alors, c'est un peintre andalou. C'est un peintre qui fait parfaitement la transition entre le gréco et la peinture qui le suit, parce que Pacheco est un peintre qui peint dès les années 1590-1600 en Espagne, à Séville. Il est envoyé à Tolède vers 1611 et il rencontre le gréco qui lui montre son atelier, ses toiles, sa technique. Il revient ensuite à Séville et à Séville, il est chargé non seulement par l'Inquisition des 1618, de surveiller les toiles qui sont produites pour voir si elles sont bien dans les canons, notamment de la contre-réforme catholique, mais également il va former une école de peinture extrêmement célèbre qui va connaître des maîtres importants, dont Diego Velázquez, qui est à la fois son élève et son gendre. Alors, cette peinture de Pacheco, c'est une peinture, et c'est la première chose que l'on va aborder, qui est très religieuse. En effet, et comme l'a dit Martin tout à l'heure, les commandes d'église sont très importantes. Les églises se sont enrichies en grande partie, notamment en Andalousie, grâce au commerce et aux dons qui ont été faits par les commerçants, par les conquistadors et par la noblesse espagnole. Elles vont donc renouveler de manière extrêmement importante l'ensemble de leurs peintures, de leurs retables, et vont commander un grand nombre d'œuvres, et des œuvres évidemment extrêmement religieuses, extrêmement mystiques. Ici, le mariage mystique de Saint-Inès par Francisco Pacheco. Diego Velázquez, dans sa première période, une adoration des mages, où l'on voit déjà la technique de Velázquez, notamment au niveau des drapés et des couleurs. Mais vous notez que, à l'instar de la peinture de Ribera, c'est une peinture encore ténébriste. Hein. Le fond est très sombre, les parties sont extrêmement sombres derrière, et on éclaire uniquement le visage des rois mages, de la Vierge et de l'enfant Jésus, hein. Et vous notez que la Vierge qui est ici est en fait l'épouse de Diego Velázquez et donc la fille de Pacheco. Pacheco se tenant lui-même dans ce tableau, hein, il est utilisé comme modèle en étant sur la droite de la Vierge Marie. Alors, cette peinture religieuse, elle est relayée par d'autres peintres, notamment par Zurbarán, mais elle connaît un grand éclat. Alors, Diego Velázquez, tant qu'il est à Séville, c'est-à-dire jusqu'aux années 1623, va peindre beaucoup pour les églises. Ici, le portrait de la sœur Jerónima de la Fuente. Alors, c'est un portrait tout à fait célèbre, tout à fait important, où on voit encore le niveau de détail, le travail du dessin de Velázquez, le travail sur le drapé sombre, le drapé noir, qui est difficile à faire, et qui est tout à fait également un tableau remarquable, parce qu'il représente cette sœur Jerónima de la Fuente, qui, à l'âge de environ 60-65 ans, décide de partir aux Amériques, elle s'est retirée très jeune, de partir aux Amériques, hein, malgré son âge, pour convertir un maximum d'Indiens d'Amérique, hein, et pour les amener dans la foi. Alors, vous voyez son visage sévère, hein, on peut imaginer que cette sœur Jerónima de la Fuente devait avoir un charisme assez fort, mais également une sévérité assez forte, qui a dû avoir un effet tout à fait remarquable sur les Indiens américains. Alors, cette peinture que je vous le disais, et j'ai anticipé un tout petit peu, elle est reprise par Francisco Zurbarán, qui est un peintre
absolument de la même époque que Velázquez, qui lui va peindre, va rester à Séville la plupart de son temps et va être un très grand maître de cette peinture mystique. Il va notamment peindre des séries de saintes très demandées dans les églises, une sainte Dorothée ici, hein, une sainte Casilda ou encore une sainte Élisabeth. Qui sont typiques de, de sa technique à lui. On est toujours dans ce style ténébriste. Vous voyez que les fonds sont forts, noirs et laissés sans décor à l'arrière, hein, à la différence de ce qu'était la peinture du XVIe siècle. En revanche, on fait ressortir fortement les visages, qui sont laissés très clairs, avec des teintes claires, c'était la mode à l'époque. Et également, vous notez le travail du vêtement, le travail du drapé. Alors, évidemment, cette sainte Élisabeth est présentée en vêtements du XVIIe siècle, mais Zurbarán est extrêmement connu pour la très très grande qualité de son travail sur les textiles, sur les tissus et sur les drapés. Hein, vous l'avez ici, hein, vous l'avez encore dans cette sainte Ursule, hein, où vous notez les couleurs vives, hein, le rouge qui fait ressortir les verts du reste du tableau. Alors, Francisco Zurbarán, pardon, va peindre des peintures énormément pour les monastères et les églises. Hein. Voici une Vierge protectrice, hein, qui protège des moines blancs, hein, qui est typique également de sa technique. Et vous notez ici tous les canons, ou en tout cas une grande partie des canons de la peinture baroque, à savoir l'exaltation de la Vierge Marie, qui est une figure que l'on met en avant très fortement avec le Concile de Trente, parce que comme les protestants refusent de voir dans la Vierge Marie un intercesseur, eh bien, les catholiques vont insister sur sa place et sur son importance. Également, donc, la Vierge Marie mise en position centrale, avec une colombe au-dessus de sa tête et ses nuées autour d'elle qui sont extrêmement riches et qui vont donc remplir la toile. Également, la position dévote de l'ensemble des moines, dans lequel l'expression du visage est extrêmement importante, parce que chez Zurbarán, comme dans le baroque en général, on va insister sur le côté émotion et sur le côté émotion mystique. Et puis, je ne peux qu'insister sur les angelots qui tiennent le manteau de la Vierge, hein, et qui sont également une figure tout à fait typique de cette peinture baroque de ce XVIIe siècle. Alors, cette peinture mystique, on la retrouve également dans une thématique très forte, hein, qui est le passage de Saint Jérôme, qui apparaît dans énormément de peintures de cette époque, chez Zurbarán, mais chez d'autres peintres. Là encore, on a une peinture typique de ce ténébrisme et de ce baroque espagnol. Vous voyez que le visage et le corps de Saint Jérôme, dénudés, décharnés, sont juste éclairés comme il faut pour qu'ils apparaissent, comme quoi le fond derrière est sombre, et comme quoi les tentatrices, hein, qui ici jouent de la musique, hein, sont mises en avant. Vous venez également, dans la composition de Zurbarán, eh bien, le travail qui est fait autour de ce visage, autour de ses bras, autour des éléments propres à reconnaître Saint Jérôme, et ça, c'est tout à fait typique de sa peinture. Une des peintures probablement également les plus célèbres de Zurbarán, et je continue sur lui parce qu'il est vraiment un de ses maîtres de ce mysticisme, c'est l'Agnus Dei. L'Agnus Dei, qu'il a fait en plusieurs exemplaires, c'est assez classique, hein, de la part des peintres de l'époque, qui parfois, le Gréco le faisait beaucoup, Zurbarán le fait un petit peu, ont des commandes multiples. Hein, et dans cet Agnus Dei, on note, hein, le travail tout à fait remarquable que l'on a de la laine. Hein. Quand on voit le tableau, on a vraiment l'impression d'avoir un agneau et de vouloir toucher sa laine en face, parce qu'il y a un travail absolument remarquable qui est fait sur les textures. Alors, il n'est pas le seul, bien sûr, à avoir cette peinture religieuse, hein, Bartolomé Murillo, hein, qui est un peu plus tardif, hein, c'est la génération d'après, puisqu'il naît en 1617, soit une petite vingtaine d'années après Velázquez et après Zurbarán, va lui aussi rester essentiellement à Séville et va avoir une peinture religieuse très riche. Vous notez, et j'y reviendrai tout à l'heure, que la palette s'est au contraire éclaircie, hein, c'est la deuxième partie du baroque espagnol, et que de nouveau, on retrouve des décors à l'arrière, hein, des profondeurs et des plans qui sont placés à l'arrière. Alors,
Cette peinture religieuse est reprise également par Velázquez, qui est connu pour d'autres choses, mais c'est aussi un peintre religieux, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, Velázquez est sans doute celui qui présente le mieux cette peinture. C'est Sévillane de cette époque. Velázquez, comme je vous l'ai dit, est né à Séville, il a été formé par Pacheco. Il a commencé ses premières œuvres à Séville, mais il a cherché à devenir peintre du roi, c'est-à-dire avoir une position spécifique. Et pour être peintre du roi au XVIIe siècle, il faut non seulement acquérir des lettres données par l'Inquisition pour bien montrer que l'on est de bon sang et que l'on peint comme il faut, mais également il faut avoir passé à une sorte d'examen auprès du roi. Il essaie une première fois auprès de Philippe III, il échoue, et c'est Philippe IV qui va le recueillir. Alors, Velázquez, lui, va faire une peinture qui va être tout à fait typique. Il reste d'abord dans le ténébrisme, mais il va petit à petit éclaircir sa palette. Ici, on a une de ses peintures encore dans la palette ténébriste, pardon, Le Triomphe de Bacchus, hein, et vous avez chez Velázquez un don de la composition tout à fait remarquable. Hein. Le personnage de Bacchus est au centre, il nous présente sur la droite des paysans, hein, on les appelle communément los borrachos, hein, les gens ivres en espagnol, avec des figures très paysannes, très marquées, hein, des visages rouges, des visages rieurs. On voit qu'ils sont déjà en train de boire, et Bacchus est en train de couronner justement ces buveurs, hein, qui lui font honneur en buvant et en devenant sous à sa demande. Cette peinture, hein, de Bacchus, et ce style, on le retrouve chez d'autres peintres, notamment chez Alonso Cano, qui est un peintre un peu moins connu du Nord, mais qui également met en avant cette peinture, une peinture qui est également dédiée vers le roi. Et c'est la deuxième partie que je voudrais aborder, c'est la peinture au service de la royauté. Je commence avec Alonso Cano, qui fait ici un portrait d'un roi antique, hein, pour montrer que la technique ténébriste est très utilisée, et que Alonso Cano, moins connu, est également un maître tout à fait remarquable dans ses drapés. Hein, mais c'est évidemment Velázquez qui, de nouveau, présente cette peinture la plus importante. Une fois qu'il a acquis le statut de peintre du roi, eh bien, il va multiplier les portraits, et les portraits royaux. Ici, un portrait du premier fils de Philippe IV, Don Carlos, hein, qui est décédé peu de temps après. Vous retrouvez la technique que vous aviez chez Sobaran, peinture ténébriste, fond quasi uni derrière, hein, simplement une marque placée au premier tiers bas de la peinture pour marquer qu'on est dans une pièce. Hein. Et en plus, Don Carlos est ici montré en habit noir, hein, qui est un habit à la mode à l'époque. Hein, il ne faut pas y voir un habit modeste, mais plutôt un habit à la mode. Hein. Et donc, cette peinture de cour va jouer un rôle extrêmement important dans la carrière de Velázquez. Il va recevoir ainsi de très nombreuses commandes, et notamment une commande qu'il va partager avec Zurbarán et d'autres peintres pour le nouveau palais du roi Philippe IV à Madrid. Le roi Philippe IV, qui a pris le pouvoir en 1623, se fait construire à Madrid un nouveau palais qu'on appelle le palais du Buen Retiro, qui est placé à l'ouest de la ville. Il veut abandonner ainsi le vieux château de l'époque médiévale qui est à l'est de la ville. Et il veut faire dans ce palais une salle dite des royaumes, hein, dans lequel il veut montrer les triomphes de l'Espagne dans les guerres précédentes. Pour cela, il va commander aux peintres, et notamment aux peintres sévillans, de nombreuses peintures différentes. D'abord, des portraits, et voici un portrait à cheval de Velázquez, avec un travail tout à fait remarquable. Vous notez que par rapport aux peintures précédentes, là, de nouveau, la teinte s'est éclaircie, et on l'explique parce que Velázquez a été en Italie dans les années 1630, qu'il a vu un certain nombre de peintures, hein, et que du coup, il a vu notamment des peintures du Caravage, et il est également influencé par l'école de Bruxelles, hein, et il a éclairci ses teintes dans cette peinture. Notez le travail tout à fait remarquable sur le cheval en action. Alors, il faut bien se rappeler que toute cette peinture est faite en atelier, bien sûr. Hein. On peut faire poser le roi, il est plus difficile de faire poser le cheval lui-même dans cette position, et donc il y a tout un travail préparatoire, hein, de dessin que l'on connaît chez Velázquez. Donc, portrait du roi. Portrait de la reine Isabelle, toujours à cheval, qui est destiné au même palais du Buen Retiro.
portrait d'amant de Don Carlos Baltasar, le deuxième fils de Philippe IV et d'Isabelle, toujours à cheval et destiné à ce même palais. Enfin, même chose, hein, regardez le travail qui est fait sur le cheval, sur la richesse du vêtement, hein, et vous voyez comment l'enfant princier, est déjà mis dans une position royale avec un bâton de commandement dans sa main. Ce retiro demande également une série de peintures, pardon, Philippe IV demande également pour le retiro une série de peintures exaltant les victoires espagnoles. Et là, Velázquez va en réaliser certaines, mais va également demander à son compatriote de Séville-sur-Barranne de venir faire une toile pour ce grand salon des batailles, hein, qui est au centre du palais. Alors, Sur-Barranne va peindre cette reprise de Cadiz. Cadiz a été occupée un petit moment par les Anglais et la flotte espagnole va reprendre la ville. On a ici un tableau tout à fait classique de cette période et je vous en montrerai d'autres avec deux plans. Au premier plan, les généraux espagnols qui ont commandé la bataille et qui remportent la bataille et au second plan, la bataille elle-même. C'est la même technique qui est reprise par Juan Basiso Maino dans la récupération de Bahia, cette fois-ci face aux Hollandais, sauf que Maino va rajouter sur le droit du tableau un portrait dans le tableau, un portrait de Philippe IV montrant que c'est lui, hein, le roi d'Espagne, qui est évidemment le vrai vainqueur de la bataille. C'est également le cas de Vincenzo Carducci, hein, qui est un peintre italien, mais qui va travailler énormément en Espagne, et qui de même montre la bataille au second plan et les généraux au premier plan. En revanche, ce n'est pas le choix que fait tout à fait Diego Velázquez, qui réalise pour ce salon une de ses œuvres sans doute les plus fameuses, hein, Les Lances ou la reddition de Breda, hein, qui exalte une bataille très récente, celle de Breda en 1621, et dans lequel le peintre sévillan va insister essentiellement sur la victoire espagnole et la malignité de Spinola, hein, le vainqueur de la bataille, hein, qui reçoit des mains de son adversaire les clés de la ville de Breda, hein, et avec un ordre et un agencement tout à fait particulier, où l'on note sur la droite les lances, hein, qui donnent le titre au tableau des régiments espagnols, hein, des telsos espagnols qui sont à peu près ordonnés, hein, avec des soldats espagnols qui présentent une mine plutôt de vainqueur, hein, plutôt une mine bonne, et de l'autre côté, hein, les Néerlandais qui, eux, sont battus et dans lequel l'armement et l'habit est en désordre. Hein. Il y a là, chez Diego Velázquez, un travail tout à fait remarquable de composition. Alors, cette peinture se poursuit avec des portraits royaux, mais il faut voir que les peintres sévillans vont, en plus de cette peinture de cour, hein, également avoir une peinture assez précise sur la vie quotidienne. Parce que si la couronne d'Espagne exalte ses victoires, hein, le XVIIe siècle espagnol est un siècle dans lequel, eh bien, petit à petit, la puissance espagnole va descendre. Alors, Velázquez va donc réaliser comme ceci des œuvres pour la cour d'Espagne, les Forges de Vulcain, ici, hein, Une Vierge au miroir, qui est une peinture tout à fait classique, ou encore, et sans doute la peinture la plus importante, qui exalte toujours la puissance royale, également la carrière du peintre elle-même, l'Emeline, hein, qui est une peinture tardive, hein, Velázquez meurt en 1659, mais dans lequel le peintre se met en scène. Alors, cette peinture montre les ménines, c'est-à-dire les jeunes femmes qui sont au service de l'infante royale, hein, placées ici en blanc au centre, hein, mais dans lequel le peintre Velázquez se met en place, sous le regard de l'intendant du palais et sous le regard bienveillant d'un portrait du roi et de la reine qui regardent le peintre. Donc vous voyez, les peintres de cour, hein, Velázquez en particulier, se mettent en avant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette peinture de cour contraste avec une dernière partie de la peinture espagnole de cette époque, à savoir une peinture de la rue et une peinture qui montre les problèmes que connaissent l'Espagne de cette période. On la retrouve avec un peintre un peu moins connu, Francisco Herrera le Vieux, mais qui montre un balayeur de rue, donc quelqu'un qui fait un métier manuel et qui a peu de moyens, mais qui est surtout exalté à la fois par Velázquez,
de nouveau dans une œuvre de début, avec la vieille faisant frire les œufs, ses œufs, pardon, qui montrent une vieille dame plutôt pauvre, faisant frire des œufs dans une vaisselle en céramique, hein, et vous notez le travail que Velázquez arrive à faire sur la céramique, où il rend les teintes, il rend les brillances de cette dernière. Hein. Mais c'est une peinture qui est essentiellement reprise par Bartolomeo Murillo, hein, dont j'ai déjà parlé. Murillo va en effet, à Séville, peindre énormément les mendiants des rues. Hein. Il va les présenter de manière diverse, hein, et variée. Notamment, il peint beaucoup d'enfants, hein, ce qui est assez nouveau dans la peinture espagnole. Ici, un mangeur de melons et de raisins. Hein. Il va également exalter l'Église, hein, ce qui reprend la thématique du départ, hein, en mettant en avant, hein, tout le travail que fait l'Église envers les pauvres. Hein. Ici, en 1646, hein, le frère Junipero, qui est, je crois, un franciscain, hein, qui reçoit un pauvre. Hein, ou encore, hein, une peinture d'exaltation de la cuisine des anges, hein, mais qui montre comment l'Église est là pour aider les pauvres de la ville. Cette peinture, il l'exalte également dans la peinture religieuse, hein, ou dans lequel on met la capacité qu'a cette Église à pourvoir aux pauvres. Ici, dans les Noces de Cana, qui est une des œuvres tout à fait majeures, hein, de Murillo, hein, pour terminer, hein, une peinture qui exalte, qui montre en avant comment la vie à Séville est difficile à travers ce jeune mendiant qui est montré ici. Alors ici, Murillo montre toute la qualité de sa peinture, hein, avec un travail toujours sur un enfant, qui est un thème qui lui est très cher. Hein. On note qu'il a devant lui quelques bribes de pain, hein, éparpillées. On note qu'il est également dépareillé dans ses vêtements, qui sont un peu en guenilles. Hein. Et le travail que fait Murillo est remarquable, avec cette lumière, hein, qui vient le mettre en avant, en face de la cruche. Alors, cette peinture qui exalte et qui montre la pauvreté, montre effectivement que l'Espagne du XVIIe siècle, qui est dans un siècle d'or en termes artistiques, est dans une situation politique beaucoup plus difficile. Hein. Elle a été obligée en 1648 de signer la paix de Westphalie et a perdu une grande partie de son pouvoir en Allemagne. En 1659, elle a signé le traité des Pyrénées et à la mort de Philippe IV en 1661, eh bien, le trône échoit à son fils Charles II, dont ici vous avez un portrait par Juan de Miranda, et Charles II est un jeune homme malade, qui a un certain nombre de maladies congénitales importantes, hein, et qui annonce, d'une certaine manière, par son règne, le déclin de l'Espagne. Voici ce que l'on peut dire pour cette peinture sévillane, où Séville, à travers les trois maîtres que sont Velázquez, Zurbarán et Murillo, est un des centres de la production artistique espagnole, alors même que les Espagnes connaissent une crise économique, politique et internationale de grande ampleur. Merci Alexis pour ces éclairages sur la peinture sévillane. C'est une peinture donc au service de la foi, au service de l'Église, au service de la cour, une peinture qui instaure un nouveau rapport à la nature et à la vie. Nous avons déjà quelques questions d'internautes. J'invite évidemment tous les internautes à nous abreuver de questions, par-delà les likes et les messages très sympathiques qu'ils ne manquent pas de nous envoyer, qu'ils nous ont envoyés depuis le début de cette conférence. Une des questions qui nous arrive, c'est où est-ce que nous pouvons découvrir ces tableaux? Je crois qu'il y en a une partie au Musée des Beaux-Arts de Séville, il y en a une partie au Prado. Je vous laisse rentrer dans le détail sur les œuvres, et notamment les œuvres les plus emblématiques que vous nous avez présentées. Alors, oui, effectivement, une grande partie se trouve au Prado d'abord, hein, notamment les collections de Velázquez, puisqu'il a peint pour la cour à Madrid, et donc évidemment, les œuvres ont été conservées sur place. Hein, et les Velázquez sont essentiellement à Madrid. Quelques-uns se promènent en Europe, hein, alors un peu en Italie, parce que
Velázquez a effectué deux voyages en Italie. Je n'en ai pas parlé là parce que ça sortait un tout petit peu de l'Andalousie. Mais par exemple, il y a un portrait d'Innocent III qui est très connu et qui se trouve à Rome, à la galerie Pamphilo Doria. Ou encore la Vierge Miroir qui a été peinte en Espagne, mais qui est partie en Angleterre, hein, qui est à Londres. Hein. Donc Velázquez, essentiellement au Prado à Madrid. Ses œuvres de jeunesse, en revanche, se trouvent au Musée des Beaux-Arts de Séville. Zurbarán, c'est plus éclectique parce que il a beaucoup peint à Séville, mais il a peint pour des institutions religieuses ailleurs. Et par exemple, il y a tout un site de Saint Jérôme qui se trouve à la Guadalupe en Estrémadour. Hein. Une grande partie des œuvres sont également dans des monastères sévillans, et on retrouve des œuvres à la fois au Musée des Beaux-Arts de Séville, il y en a quelques-uns, au Prado, un nombre tout à fait intéressant, et également à l'Académie de Ferdinand, hein, de Ferdinand VII, qui est également à Madrid. Quant à Murillo, ses œuvres sont essentiellement à Séville, soit dans le Musée des Beaux-Arts, mais également dans quelques monastères, dont le monastère de la Charité, de la Caridad, dont l'abbatiale comprend une série de quatre ou six toiles de Murillo. Et quelques Murillo se trouvent également au Louvre. Hein. C'est un des rares peintres espagnols qui est présent dans les collections françaises. Hein. Il y a peu de peintures espagnoles en France, hein, probablement parce que la France et l'Espagne sont ennemies et que l'on achète rarement les peintures de son ennemi. Mais ils sont peu présentés, sauf quelques Murillo, dont le mendiant que je vous ai présenté en avant-dernière toile, qui se trouve effectivement au Louvre. Merci Alexis. Un internaute nous demande par ailleurs, quelle est la différence entre le ténébrisme et le clair-obscur ? Alors, c'est tout à fait intéressant. C'est un tout petit peu différent, mais on est dans des techniques assez proches. Alors, je reviens tout petit peu en arrière. La Renaissance ne joue pas sur les éclairages. Hein. La peinture de la Renaissance n'a pas spécialement d'éclairage. C'est à partir du Caravage qu'on commence à mettre en avant la lumière et l'éclairage dans les tableaux. Avec le ténébrisme, on va avoir une technique qui va mettre toute la partie que l'on ne veut pas voir en sombre, et on va juste faire réapparaître les parties que l'on veut voir, qu'on éclaire un tout petit peu ou qu'on l'on clarifie. Dans le clair-obscur, qui est un peu la dernière toile que vous avez ici, celle de Charles II, on va plutôt faire un espèce de contraste entre ce qui est sombre et ce qui est clair, en éclaircissant plus que dans le ténébrisme, et moins également que dans le caravagisme, où là, au contraire, on va montrer la lumière et on va partir de foyers lumineux, comme on le trouve chez le Caravage, ou comme on le connaît dans les écoles françaises, hein, comme chez un peintre français comme le Lorrain, qui met carrément des bougies dans ses peintures pour montrer d'où vient la source de lumière. Mais c'est un tout petit peu différent comme technique. Hein. Le clair-obscur se retrouve plus dans la peinture hollandaise, le ténébrisque plus dans la peinture espagnole. Parfois, il est difficile de trancher entre les techniques. Mais en gros, voilà la différence. Merci Alexis. Une question, mais vous y avez partiellement répondu. Est-ce que les tableaux de Velázquez sont achetés par des collectionneurs en dehors de l'Espagne au XVIIe siècle ? Alors, j'ai répondu, mais on peut reprendre. Au XVIIe siècle, pas tellement, hein, parce que les tableaux vont rester à la cour d'Espagne et restent des tableaux royaux. Hein, car au XVIIe siècle, en tout cas en Espagne, il n'y a pas encore réellement ce qu'on pourrait appeler un marché de l'art. Hein, il naît aux Pays-Bas à ce moment-là, mais pas vraiment. En revanche, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, les tableaux de Velázquez vont être effectivement achetés à l'extérieur, notamment en Angleterre, mais pas que. Hein, et c'est à cette époque-là que certains Velázquez sortent d'Espagne pour être achetés et se retrouvent dans des musées hors de l'Espagne. Merci Alexis. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Pardonnez-moi, une question va arriver sur les téléscripteurs, plutôt sur mon écran. Un internaute nous demande ce qu'est le luminisme. Oh là là, je ne sais, pourrais pas vous répondre. C'est un thème que je n'ai pas croisé dans mes études d'art. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne vois pas vraiment à quoi ça correspond, mais j'essaierai de rechercher dans mes ouvrages et de vous répondre directement sous la vidéo. Mais j'avoue que là, je ne pourrais pas vous répondre de manière claire. Donc, je vous remercie pour la réponse que vous apporterez sur les commentaires. Absolument, je ne manquerai pas.
Alexis, je vous remercie. Nous nous retrouvons demain autour d'une autre approche de l'Andalousie, après donc cette approche artistique, l'approche par les monuments, l'approche par l'économie. Demain, dernier volet de notre cycle, il nous restera l'approche par les traditions, donc traditions qui sont pour nous uniquement des objets historiques, et la tradition liée à Manolete, le plus grand matador de Cordoue. L'occasion sera également donnée de vous retrouver ultérieurement en voyage en Andalousie le 22 septembre prochain. Un grand plaisir. Et de fait, je vous souhaite, et je souhaite à tous nos internautes, une bonne journée. À demain et merci.